Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à Angorné, mais je ne peux pas vous dire combien je suis content. Je vous dirai à la sortie. Allez, du courage. Angorné vous attend. Courage, courage. L'entrée naturelle. L'entrée d'Angorné. Je pense que ça a été fait quand ils ont fait le canal. Ouais, c'était le coup qu'ils ont fait là. Ça a été le président fondateur de l'ESR. Donc à l'époque, c'était le spéléoclub du Roussillon. Et donc il a désobé là. Après, il y a Largeron avec l'équipe de Prades qui a désobé un peu plus. Nous sommes dans le métro. Début du métro après la faille Parès. Magnifique construction dans cette partie d'Angornère. Ça, c'est l'éléphant. Ah oui, elle est belle celle-là, dis donc. Ah. Où sont les oreilles, Gaston? Là, au-dessus les oreilles. Ah oui. Ça tourne. Ça tourne. On avance. Oh là là, quelle expédition, dis donc. On vient de terminer le chaos. J'ai l'impression qu'on est plus nombreux qu'au départ. Il n'y a rien qu'à essayer d'effacer, L3. Donc par là-bas, c'est le plus officiel. Et par là-bas, c'est les aragoniques. Là-bas, c'est le... Le puits artificiel. De ah, le puits artificiel, par là où on a sorti le puits des racines. Ah. Ils ont foutu la pompe pour avoir de l'eau à... Ah, parce que là-bas, il y a de l'eau, alors. Il y aurait de l'eau, là-bas. Il y a de l'eau, oui, alors. Mais ils pompent là, c'est la rivière. D'accord. Parfaitement, mon petit Daniel. Il faut pomper. Il faut pomper, mais on n'arrête pas. Alors, ça s'appelle comment, là? L'aigle. Ah, c'est ce truc-là, oui, les... Voilà. Belle concrétion, belle fistulage. Très fragile. Attends, là, il faut que je fasse un quart de tour. Non, non, ça marche. Chut. Pousse l'autre botte. Merci, ça y est. Parce que je l'aurais laissé. Eh bien, elle n'est pas encore aux normes NNG. Nous sommes à la faille Parès, qui est bien étroite, sur le retour. Alors, l'équipe est au complet. On a donc bien au fond. Ils sont très beaux. On aurait pu quand même l'élargir. Nous sommes là. Heureusement. Il est vite qu'il y a du Drucker à la télé tout à l'heure. 73e prise moteur. Voilà, 6h45 passé sous terre. C'est inhumain. C'est la dernière fois. Hein. C'est bien la dernière fois. Mais on recommencera quand même. Et voilà. Quelle heure il est, les enfants? 17h15. Et un merci au sponsor. Ah oui. Notre chef historique. La sortie spéléo, on l'a pour rouler les éboulis. Ah oui. Je crois que tu peux éteindre ton casque. Tu peux éteindre les lumières.
c'est les projets.